Hi, my name is Whitley, and I would like to say thank you for everyone that subscribed. And yes, I would like to say thank you for everyone that subscribed, like, and share this video. And this is my mom, Tina. Hello. What's today's subject? What is it? Oh, wait, I remember. Today's subject is about what kids are expected to do when they go to school. What are they expected to do? One, that you have to play before that. Let's go. Let's bow our heads and pray then. Dear Heavenly Father, we'd like to say thank you for everything, and we'd like to say help us with the virus. We don't want to make sure the virus don't come to us. Amen. Amen. Today's subject is about what kids are expected to do when they go to school. They're expected to go to school, learn, come home, do chores, eat dinner, or maybe have fun and go to sleep. And do the same thing every day, and then Saturday, Sunday for them to have fun. Okay, so what do the kids do? Go to school, play around, not learn, and then come home, have fun, and eat and go sleep. And what? In my perspective, I think that's a horrible thing for what they're doing. Why? Because when they need to go to college, they can't go. Why? Because they learn it. Because they won't be able to go to college because they ain't learned anything when they were younger. And if they don't learn, if they did not learn anything when they were younger, how are they going to go to college? Because the whole point of going to college is when you learn something. And when you were younger, and then you keep on learning in college so you can get a job or be a manager or a nurse, whatever you need, whatever you want to be. That's the whole point of going to college. Okay. So, what happens if the kids actually do what their parents expect from them? What will happen? So, if they do what their parents expect from them, they will go to college, be whatever they want to be. Most people I know, they want to go to the NBA or go on a soccer team, or they want to be in an activity. And Some other people, they say they want to be a nurse, veterinarian, I think. Mm-hmm. Go to the military, be a police officer, all those things. How are you going to get there? You're not if you don't do your work. If you don't learn anything, if you don't do your work, how are you going to get there? Tell me. How? Because all you do is sit down in class, talk, be disrespectful to the teacher. How you gonna get there? And if you have gym, you'll be like, oh, I wanna have gym every single day. But if you have gym every single day, how you gonna learn? How you gonna learn? Go to college or go be on the police force or be a veterinarian. How are you going to do that? How? Without the knowledge, you have nothing without the knowledge. Okay, so that was a little extra. And so
And plus, if you don't learn anything, and then you have to take the state test. When you take the state test, you're gonna have to put in everything you learn. Put it all in the state test. And if you don't put all that knowledge in the state test, you're not gonna and you're not gonna pass the grade. And if you keep on doing that, you're never gonna pass the grade. And then that's gonna be very bad, because I know one teacher I had, that teacher said that he has grown-ups that are 25 or 35 years old that are still in college. They're paying thousands of dollars so they can stay in college, and they won't get any credit for it. They won't. Why? Because the time passed. Anything they wanted, one of them wanted to go on the football team. He could have been there already, but he didn't want to learn anything. How is he going to go there? Anyway, and let's say a kid is in sixth grade. He hasn't passed. His parents put him in another school and put him in seventh grade. How is he going to learn anything that he missed back there if he's in seventh grade? He's not. And most kids like to get left back because it's going to be easier for them. But when you get left back, that's going to be horrible for you. Because all the kids that were, in elementary, they're going to catch up to you. And then you're going to be feeling, I don't know. Annoyed because, lonely, because every friend that you had, they all left you, went to seventh grade, have fun, and they went and enjoyed the summer on a vacation, and you're still there in summer school. Some kids say it's fun, but it's mostly not fun because you're not going anywhere. All you do is you're still going to school in the hot room, and that's all I have to say for today. But in my next video, I'll continue about this subject. You can take it. Merci. But avant que vous allez, faut que est-ce que vous avez besoin d'un advice? Ça veut dire besoin d'un advice? Qu'est-ce que vous faites pour ça pas le faire? Oh, that's easy. For you, an advice to make sure that never happens to you. One, you have to listen to the teacher, never get in trouble, do your homework, do your classwork, and do everything your parents basically tell you, I guess. If they tell you to go rob someone, if that's bad, but some things they know that they're telling you that for your own good to do it, so you can be successful. Ok, merci Ridley, parce que vous êtes venu ensemble avec petit conseil ça yo pour tes amis nous yo. Ça fait nous plaisir. Avant que nous parler, nous voulons dire merci avec vous même qui abonné ensemble avec Chanel là. Et nous voulons dire merci parce que vous inscrit ou partager vidéo et vraiment vidéo ça vraiment fait nous plaisir. Avant que nous aller plus loin, nous voulons faire un petit coup de prière, bien que Ridley ait fait une prière déjà. But nous voulons faire un petit coup de prière avant que nous allions plus loin. En nous coupant tête, nous. Grand Dieu Tout-Puissant, merci pour tout ce que vous faites et tout ce que vous continuez à faire. Merci parce que vous avez une intelligence pour nous capables de comprendre et vous avez une idée, Seigneur. Pour nous capables de partager ensemble avec les amis. Nous demandons pour bénir nous, bénir les amis. Aidez-nous, Seigneur, à faire tout le bagage en bien au nom de Jésus. Ok. Qu'est-ce que Ridley t'a parlé aujourd'hui? D'abord, je vais entrer sur vous sans que je passe à l'heure. Je vais dire bonjour ou bien bonsoir avec tout le monde qui a regardé la vidéo. À n'importe l'heure que vous regardez, nous saluons. Vous connaissez qui s'allie déjà, c'est Eustache Family qui vient la caille. Et nous vraiment prenons ça à cœur avec tout le monde, tout le monde qui regarde et abonné ensemble avec Chanel. Qui ça, Ridley, t'es parlé aujourd'hui?
généralement, il te parle de l'école. Comme si, qui ça, yo, ou capable de faire. Qui ça, ou capable de faire l'école. Pour qui ça, ou à l'école, qui soit espéré. Pour qui ça, en gros, il dit que ou à l'école. Ou dit ou à l'école pour capable apprendre. Et pour qui ça, ou apprendre. Pour demain, si Dieu veut, ou vin aller dans l'université, ou aller dans l'université. Et pour capable vin n'importe ça que vous avez, n'importe, ou capable yon infirmière, ou capable yon vétérinaire, ou capable yon militaire, ou capable n'importe bagay. Mais li dit comme ça, comment que vous pouvez faire une bagay sa yo, sans que vous pas apprendre l'école? Si vous avez l'école là, ou chita, ou jouer, ou bay blague, tout ou pas attendre professeur à parler. Après ça, ou retourner la caillou ou juste monter cabanon ou coucher ou regarder télévision, jouer à iPad ou manger dormir. Non, ou pas privé réussir avec aucune attitude ça yo. Nous voulons dire si gagne une attitude ça ou côté gagne la caillou, nous voulons foncer penser à changer parce que la vie en fait de apprendre. Apprendre. Même si vous avez n'importe là, je suis capable toujours apprendre. Mais, ou pas pour aller aucun côté, ou pas pour arriver loin, si que ou pas fait ça que ou doit faire. La vie a gagné principe. Premier principe, c'est aller à l'école, que lié. Bien que je dis aller à l'école, mais même premier principe, là, c'est d'abord croire dans bon Dieu. Ça me bague maintenant ça. C'est croire dans bon Dieu. Et puis fait tout ça que vous avez pour faire dans la vie et puis vous priver n'importe ça que vous voulez mais faut que respecter tout principe si que ou pas respecter tête ou pas respecter bon Dieu ou pas respecter rien n'a progrès ça parce que il y a un paquet de monde qui a un bel avenir qui tracé devant eux mais à cause que vous pas gain principe vous fini mal. Yo fini l'aide. C'est ça que nous pas ta remè krive yon nan nou. Nous pas ta remè krive ou même. Et nous même tout nous voulons faire ça la kay nou pour ça pas arriver yon nan nou tout. Qui ça que li te parle encore? Il parle de le que ou pas travail l'école et puis vin gen yon résultat qui bay ou pas réussi. Parce que l'état ba examen, l'école en ba examen, ou fait test, mon pas ka réussi parce qu'on pas de jam suivre. Et là que on pas suivre comme ça. On pas suivre comme ça, ça qui vient rive. Tout petit monde qui t'en ensemble avant yo, yo changer classe. Quand dans tout petit monde qui était dans primaire yo, exemple, li toujours prend exemple 6 grade parce que li dans 6e année disons. Li toujours prend exemple 6e année parce que li dans 6e année. Donc tout petit monde qui dans L'école primaire yo, yo tout pour venir jouer ensemble avec ou. Donc comment pour le sentir ou là ça? Comment pour aller dans classe ça? Là regardez ouais tout petits amis ou yo qui étaient dans même classe ensemble avant, yo changé classe, yo aller dans 7e année, yo aller dans yo continuer vie yo. Et puis ou même on rester là dans classe ça. Et pour combien de temps on va rester dans classe ça? Est-ce que qui sont pensé? Est-ce que l'on rester dans classe ça c'est pour apprendre bien? Non. Parce que assurément si vous avez conscience, on peut pas sentir bien. Li pas fort bien du tout parce que on parle ti moun yo pipiti paso, ça pas le venir yo. Yo pipiti paso et puis ou pas même gen même zanmi ou te gen yo encore, on pas sentir à l'aise. Alors, nous encourageons pour ça pas arriver en tant que ti moun, en tant que jeune dans n'importe classe que vous êtes. Nous encourageons à respecter principes, respecter parents, respecter professeurs, respecter et faire tout ça que vous demandez pour faire qui est bon pour vous. Parce que nous toutes là gagnons vision, nous toutes gagnons rêve, nous avons côté que nous voulons arriver. Il y en a nous qui voulons médecin, il y en a nous qui voulons docteur en n'importe quoi, il y en a nous qui voulons basketball player. Genan nous tout qui voulait jouer nos professionnel football. Bon, on va t'appeler américain parce que moi-même le m'a parlé de football, m'a parlé de soccer en général.
bon, ou reme football américain tout, je dis, hein, ou capable jouer, ou capable venir un professionnel dans football, ou capable venir n'importe quoi dans la vie, hein. Alors, si vous pas respecter principe yo, ou pas ka monter parce que la vie c'est une échelle. Ou monter dans premier pas, ou monter ou aller dans high school, l'on sorti nan. Comme si on nous dit li, comme si ou ka gradel. Ça veut dire ou fait 1 2 3. Ou commencer l'école primaire, l'école secondaire, ça relé high school là et ou aller dans université. Lors sorti dans université, ou commencer chercher qui ça que soit étudier ou commencer appliquer dans la vie. Et tout gain dans nous tout qui voulait un enseignant gestionnaire, un administrateur, comme si ou pas obligé comme si à travailler, à penser seulement pour travailler ensemble avec nous, nous-mêmes nous raï ça. Nous penser que gain monde tout qui capable travail pour capable gain on business yo. Et comment on parle gain on business yo? Si que depuis petit ou pas respecter rien que yo dit ou pas respecter la loi depuis la cas ou pas respecter la loi l'école l'a fait ça pire ça pas bon ça pas bon ça veut dire ou besoin changer de direction ou besoin passer en l'autre champ ou besoin connaître que la vie en fait de principe la vie en fait de principe. Et dans la vie en tout, à n'importe l'âge que nous gagnons, nous pas besoin de juste pas apprendre, n'a toujours apprendre. Et chaque jour, on va pas apprendre un nouveau bagage. Et n'importe quoi apprendre, nous garantir que l'utile, parce que avec ça, on va priver très loin. Donc, dernier conseil que le débat, il te dit que c'est pour respecter principe tant comme tu dis tendez ça que parents doivent faire parce que généralement parents pas chamando font bagaille qui pas bon parents pas cham mettons en mauvaise position bien que dans toute règle gay exception ça veut dire gain doit gain parents qui gain mauvaise idée et qui apprend si mon yo tout fait mauvais bagaille nous connaît ça c'est clair mais plus on nous dit 80% parents pas vle wè mal pour petit yo. So yo vle wè ti moun nan bien, yo vle wè que li avanse, yo ta remè wè li vin yon monsieur, yon madame. C'est ça que yo ta remè. Pour ça, ça veut dire respecter ça que parents mandou fè. Et comme ça tout ou ap réussi. Lè gen vacances, lè tout ti moun nan vacances. Ou ap nan vakans tou avèk kè kontan paske te travay ou reyisi, se fwi travay ou. Ou pa pou ale nan summer school. Gen ti moun tankou wid le sou di, gen ti moun ki di yo remèl, men ou touve ke se yon mauve ide, ou pa ka remè summer school. Paske kote tan pou pase pou pran plezi ou, kote tan pou pase pou jwe. So, li bon, li tap bon si ke nou travay davantage pour nous respecter principaux pour nous faire ça qui bon et pour nous capable aller plus devant et pour nous capable vivre n'importe ça que nous voulons dans la vie on y est pas qu'à camper si que on travaille pour ça pas de barrière pour et on va réussir first mettez bon Dieu devant et puis respecter toute bagaille on va réussir avant nous aller nous t'avons dit ou toujours respecter principe d'hygiène. Ça que vous demandez pour faire, nous connaissons que vous pouvez joindre vraiment remède pour le virus qui a propagé. Donc, tout le monde est en danger parce que pas de affaire de couleur, pas de affaire de race, de hauteur, de grosseur, nous tous en danger. Respectez le principe d'hygiène pour le moment. C'est ça que vous demandez. Et puis, prends précaution, si vous n'avez pas besoin de sortir dans la rue, hein? Si vous avez besoin, c'est normal. Mais si vous pas sortir dans la rue hein, pour plaisir, je ne suis pas capable de embrasser mon à 100%, même capable de dire, si vous n'avez si pas fait ça, il tape mieux. Mais si vous avez besoin de parler depuis longtemps, il tape plus sage dans le moment ça pour saluer lui. Mais sans que nous pas besoin d'un bail accolade parce que dans moment ça yo pas recommandé
jan de bagay sa yo. Nou pa di se fab, coronavirus pa yon fab, se yon realite ke liye. Alors, si nou pran de prekosyon, nap rewisi kombat virus la. E nou ap kembe tèt nou an sante, an sekurite tou. Apre bon Dje pa genyen, avan bon Dje pa jam genyen, nap toujou kontinye priye, mette bon Dje devan, e bon Dje ava bay. Chercheur yon intelijans pou yon kapab jwen yon medikaman, yon vaksin pou kombat virus lan. Nou kwe ke bon Dje kapab fè tout bagay. Alors, merci avec vous même qui pouvez regarder la vidéo. Nous souhaitons que vous t'ajoutez quelques petits conseils. Que vous enjoy la vidéo. Ou, pas d'abord dire rien. Généralement, nous finissons. Alors, bye bye. C'était Eustache Family qui était entre la caillou. Portez-vous bien. Que bon Dieu capable de bénir vous. Bye.